On va dans une tourbière sur la route de Perleval. Alors les tourbières, il y en a partout ici, bien entendu, mais elles sont en train de mourir. Et il y en a qui sont devenues toutes petites, qui ont régressé. Et celle où on va, elle est encore un petit peu active. C'est un milieu qui est intéressant, bon, au niveau, comment dire, scientifique en quelque sorte, mais il est aussi intéressant pour moi, pour la cueillette. Un outil universel? Oui. Le? Un piquet de tente. Ah. Pour creuser, chercher des trucs. Tu vois les herbes blanchâtres qui sont dessus, sèches? C'est de la molinie. C'est elle qui signe la fin de la tourbière en l'envahissant, quoi. Elle est partie morte, avance peu à peu vers l'axe de la tourbière, et puis ça finit par se rejoindre ici, ça s'est rejoint des deux côtés. Pour qu'une tourbière se forme, il faut qu'il fasse relativement froid, qu'il y ait beaucoup d'humidité, qu'il y ait un solde positif entre l'eau qui tombe, qui ruisselle et qui s'évapore. Et à cet endroit-là, l'eau se met à stagner et La mousse caractéristique des tourbières, la sphène, se développe. Et là, on commence à voir des canneberges sur la mousse. Et regarde ce délire. D'en voir autant à cette saison, c'est un peu extraordinaire. Un bon cueilleur, dans une bonne tourbière, il peut ramasser entre 500 grammes et 800 grammes dans une heure. Ça, c'est les boutons des fleurs. On voit le bec. Et derrière, les pétales qui sont repliés et puis qui sont censés donner l'apparence d'une grue. Il y a deux espèces de canneberges dans les tourbières du Haut-Limousin. Mais quand il y a autant de fleurs au bout d'une tige, toujours au moins deux, trois, comme là, eh ben, on sait que c'est pas l'espèce protégée. Comme là. Voilà. Attends, sors de là sans te casser. Voilà. Je me suis rendu compte que c'est pas la cueillette qui allait les faire disparaître, que c'était l'homme qui les fait disparaître par le réchauffement global, les travaux agricoles, le surpâturage des tourbières qui introduit beaucoup d'azote et puis qui déséquilibre complètement le sol, quoi. Alors je me suis dit que j'allais les manger et les faire goûter à mes enfants et à mes amis. Je me bagarre souvent avec des copains qui sont plus abstrait, ils aiment la nature, mais ils ne la mangent pas, ils ne la goûtent pas, mais ils la photographient, ils aiment qu'elle soit là. Et de temps en temps, on s'engueule bien fort. Ils me disent que je suis un barbare. Moi, je pense que c'est pas moi qui ferai disparaître les canneberges. Et quand on cherche des canneberges dans une tourbière qu'on ne connaît pas, on commence par repérer s'il y a des touffes de polytriques, on y va directement. Cette mousse qui ressemble à des petits sapins, on va dire, qui ne ressemblent pas à des petites étoiles. C'est un endroit de sauvetage pour les canneberges. L'hiver, c'était la seule source de sucre. Sans parler des vitamines, etc. Mais quand on mange une vitamine, le cerveau n'est pas récompensé.
Par contre, quand on mange du sucre, on est récompensé immédiatement par du plaisir, etc. Et c'était essentiel qu'il y ait cette notion de plaisir, parce que c'était la seule source. Le chasseur-cueilleur, il faut qu'il fasse une balance tout le temps entre l'énergie qu'il emploie pour récolter, ou pour chasser, ou pour pêcher, et puis le bénéfice, les calories qu'il va en retirer. Comment t'as appris tout ça ? Ben, en me documentant, hein. J'ai toujours fantasmé un peu que, dans ma tête, que j'étais resté coincé au niveau civilisationnel, un petit peu au paléolithique. Et plus j'ai un petit peu étudié ces périodes, et plus je me suis senti très très fier que ces gens-là aient existé avant moi et qu'ils aient acquis un tel niveau de compétence alors qu'on pensait que bon c'est des bruits épaisses, hein, à part tuer une bête blessée à coups de massue, qui ne savaient pas faire grand-chose d'autre, alors qu'en fait, oui. Ils étaient très très compétents dans leur branche, comme on peut voir certains peuples autochtones là, qui vivent dans des conditions qui nous semblent impossibles, puis qui arrivent très bien avec une compétence d'enfer, quoi. Ben, quand on est gamin, on lit Robinson Crusoe, on se voit survivre dans une île déserte ou pas. Moi, ça m'a toujours fasciné. Voilà. Alors, dans mon île, j'essaie de trouver des trucs pour survivre. Ben quoi ? Il a pas quatre feuilles ? J'ai un don pour ça, je crois bien. Tiens, il paraît que ça porte surtout bonheur à celui qui le donne. À celui qui le donne ? Ouais.